samedi 17 mars 2018, des milliers de lecteurs s'étaient donné rendez-vous au Salon du Livre 2018 à la Porte de Versailles. Un bon moyen pour eux de rencontrer les étoiles confirmées ou débutantes de la littérature. Parmi ces stars prêtes à rencontrer leurs fidèles lecteurs, on retrouvait les sublimes Caroline Receveur et Clara Morgan, mais aussi, dans un tout autre registre, le Premier ministre Édouard Philippe, venu défendre son livre No Filter paru chez Robert Laffont en octobre 2017. Caroline Receveur, 30 ans, a pris plaisir à rencontrer son jeune public. Tout sourire et très sollicitée, la petite amie d'Hugo Philippe, actuellement enceinte de son premier enfant, avait toutefois pris le soin de cacher ses formes à l'aide d'une jolie veste en jean. Sur place, la belle a pu croiser Clara Morgan, 37 ans, puisque cette dernière avait fait le déplacement pour promouvoir le livre best-of de ses plus belles photos de calendrier. La jeune maman d'une petite fille de 2 ans avait quant à elle opté pour un ensemble noir offrant un joli décolleté. Même lieu mais toute autre ambiance, le Premier ministre Édouard Philippe a de son côté profité de l'événement littéraire pour rencontrer les lecteurs de son livre Des hommes qui lisent paru en juillet dernier, 2 mois après sa nomination à Matignon, chez Giclatès. Très sollicité par les badauds, l'homme politique n'a pas refusé de faire quelques selfies avec ses concitoyens. Au cours de cette journée, il fallait aussi noter la présence de Jean-Marie Bigard, le gros abécédaire de Jean-Marie Bigard, et sa compagne Lola Marois, Bad Girl, Jean-Jacques Bourdin et sa femme reportée de Guerre à Niva, Un continent derrière Poutine, Marina Carrère d'Encausse, Une femme entre deux mondes, Amélie Nothomb, Frappe-toi le cœur, Bernard Pasquito et Daniel Angeli, Johnny, Hubert Reeves, Le banc du temps qui passe, Christine Orban, Avec le corps qu'elle a, Sophie Darrel et son mari Jack Anaclet, Moi vieillir plutôt crevé, Anna Todd, After, Adeline Blondio, Yoga Cess et les Pochitos, Raphaël Enthoven, Morale provisoire, Costa Gavra, Va là où il est impossible d'aller, Mémoire, le député et mathématicien Cédric Villani, Le manifeste du crapaud fou, Gilles Jacob, Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, Mathias Malzieu, Journal d'un vampire en pyjama, Louise Eklund, À moi les petits français, Jean Tellet, Entrée dans la danse, Fabienne Amiac, Le potager des ses légumes, et Thierry Beccaro, Je suis né à 17 ans. Pour rappel, à l'occasion de ce Salon du Livre 2018, c'est la Russie qui a été désignée comme pays invité d'honneur.